Salut tout le monde, c'est Engou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte avec le jeu Don't Not Trice sur PC, un jeu d'horreur, un jeu de terreur. En même temps, je pense que j'ai pas spécialement besoin de vous le préciser, ça se voit très clairement au menu, à la musique un petit peu oppressante. On va découvrir ce jeu ensemble. Avant de le lancer, on va faire le petit speech. D'après ce que j'ai compris, on incarne une maman qui doit sauver sa fille, en tout cas une maman qui a abandonné son enfant. Alors on ne sait pas pour quelle raison, on va peut-être le découvrir ensemble. Quoi qu'il en soit, encore une fois, ce type de jeu, je vous recommande de le tester, de le découvrir avec moi, avec un casque, pourquoi pas, et de vous immerger complètement, vous mettant dans le noir. On va lancer une nouvelle partie, je ne vais pas faire continuer quoi que j'aurais pu aussi. Je m'assure à chaque fois, je lance... Ok, je me souviens pas de ça. Je lance à chaque fois une partie pour m'assurer que tout fonctionne correctement. Ce jeu supporte la manette, parce que je suis sur PC, donc le jeu est également sur PS4, Xbox One, je crois. Et vous avez la possibilité de jouer avec la VR. Donc, voilà. Moi, personnellement, sans VR, je me chie dessus. Alors, avec la VR, je pense que je vous fais un arrêt cardiaque en direct. Ok. Donc, ça sonne. Ok, le téléphone est là. Appuyez pour prendre, ranger. Ok, Chloé, va te faire foutre. Nickel. Le jeu qui commence très très bien, on m'insulte. Donc nous sommes apparemment dans un appartement, enfin un salon, c'est ça, je pense. Quelque chose comme ça. Avec des tableaux. Prenez le chandelier pour éclairer votre chemin. Donc je disais avec un tableau, mais vous voyez ce genre de lieu un petit peu vieux jeu. Comment je prends ça, saisir. Ah ok, ça y est. Ah ouais, on s'éclaire à la bougie quoi, à l'ancienne. Ouais, c'est vraiment, ouais, en fait c'est ça, la maison est très, fait très 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 rustique quoi. Allumer la bougie à l'aide du feu. Ok. Ok, en fait je pense que même si j'avais pas de bougie, ça, ce serait pareil quoi, on voit que dalle. Utiliser la bougie pour allumer le bougie. Au mur. Ça a toqué là. Okay. Ok. Ok, ok, ok. Je commence à frissonner. Ok, le grand classique. Non mais je vois le genre, je vois le genre. Le grand classique de la porte qui bouge toute seule là. Ouais, ouais, ouais. Ah mais non mais moi on ne m'y prendra pas. Alors attendez, je vais allumer les lumières. Alors, apparemment ici on est un peu à l'ancienne donc on s'éclaire aux bougies. C'est bon. Vous voyez au lieu d'allumer les lumières, bah non, nous on allume la bougie. Ok, c'est déjà un petit peu mieux. Alors j'espère que de votre côté vous y verrez clair. Je sais que YouTube a tendance à assombrir les vidéos. Donc lire, situer, ouais ok c'est un magazine pourri. Ce que je vais faire c'est quand il y a des trucs comme ça un petit peu, disons, pas très intéressantes, je les passerai. Par contre si c'est du texte qui avance, qui nous fait avancer, en tout cas qui nous donne plus d'informations sur l'histoire en elle-même, là je me permettrai bien de vous les lire. Bon bah écoutez, on va avancer, on n'a pas trop le choix. Ah oui ok. Donc là en fait je clique et avec la souris j'avance ou je recule pour ouvrir plus ou moins la porte. Donc ça c'est très utile, vous voyez, quand vous êtes une flippette, un petit peu comme moi, d'ouvrir comme ça légèrement. Alors attendez, bon là pour le coup ça marche pas parce qu'il y a un mur juste là. Mais ça permet de voir un petit peu juste comme ceci, vous voyez ce que je veux dire. Sans trop pour autant se mettre en avant. Ah ouais mais d'accord, non mais... Non mais... Oh putain. Genre... Chloé, pourquoi tu as éteint l'électricité? Je te hais. Okay. Oh, j'ai rien fait. En fait, moi, perso, j'ai rien fait. Vous voyez, ce genre de tableau un petit peu... malsain, enfin, ça met mal à l'aise, quoi. Enfin... Alors, peut-être qu'il y a des amateurs parmi vous, mais moi, sachez-le, je suis pas spécialement très friand de style de tableau un peu... Ou alors, uniquement dans les églises. Ok, ça m'a l'air d'être un... Journal de Chloé. Ok, donc. Elle m'a abandonné depuis des années et se pointe maintenant en espérant que je ferai semblant que rien ne s'est passé. Eh bien, ce n'est pas le cas. J'aimerais simplement qu'elle me laisse tranquille. Elle essaie de m'impressionner avec son travail prestigieux,
sa grande nouvelle maison, mais elle m'a abandonné et je ne peux pas arrêter de la haïr pour ça. Nous sommes personne maintenant. Elle n'est pas apte à être mère et elle va sûrement me renvoyer chez moi une fois qu'elle sera fatiguée de moi. Ok, donc les choses commencent un petit peu à s'expliquer, enfin se... Voilà, les choses deviennent un peu plus claires. Apparemment, on aurait abandonné notre enfant, hein, qui s'appelle Chloé. Ah, si j'ai bien compris. Journal de Chloé, ouais, c'est ça. Ok, mais par contre, on sait pas pourquoi on l'a abandonné. On n'est pas avec elle. Ah, purée. Technique internationale. Longer les murs. Bonjour, madame. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Chloé, maintenant, tu arrêtes tes conneries. Tu reviens. Alors, j'allume les bougies. Hein. Voilà. Ok, c'est fermé. Non mais tout dans cette maison respire la terreur. Le papier peint affreux, les tableaux... Vous voyez, c'est le genre de tableau où on a l'impression que peu importe où on est, à droite ou à gauche, on a l'impression qu'elle vous fixe du regard. Constamment. Ah, c'est quoi? Ça tape à la porte. Je sens le coup fourré là, vous voyez avec ce miroir, on peut voir à l'arrière. C'est quoi ça? Ok, ça c'est un magazine, je pense pas que ce soit intéressant. Allez, oh là là, oh non, mais regardez ça! Non mais sérieux, c'est pas possible, c'est quoi ces tableaux? Le jeu, je sais même pas si. Oh purée. Puis c'est moi, il y a une espèce de brume là, non? Peut fermer, ouais. Non, je vais laisser ouvert. Je vais laisser ouvert, on sait jamais si je dois me mettre à courir, si un truc me chope. Oh là 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 là, c'est horrible. Putain, putain, putain. Putain, je frissonne. Je frissonne, c'est bon. Premier point pour le jeu. Je frissonne. Les jeux d'horreur comme ça, si je me mets à frissonner, c'est que ça démarre bien. Ministère de la Santé et des Services Sociaux, division de prise en charge des enfants. Madame Jessica Webtoman, je vous prie d'accepter cette lettre comme une forme d'accord concernant Chloé Anne Webb. D'accord, déjà on sait comment on s'appelle maintenant. Apparemment, on incarne Jessica, la maman de Chloé. Donc, avec des preuves fournies et avec le consentement de Chloé, nous sommes heureux de vous informer que nous sommes en mesure de vous accorder une période de garde temporaire de votre fille. Donc là, apparemment, Chloé est d'accord pour qu'on ait une période où on peut la garder. Ok. Mais c'est pas ce que j'ai cru comprendre dans le message qu'on a lu juste avant. Elle avait pas l'air de trop nous apprécier. Une fois que les délais seront fixés, nous vous en env vous, alors j'arrive, nous vous enverrons une lettre de confirmation. Cordialement. Ok. Donc là, on sait toujours pas pourquoi elle a été. Elle est plus avec nous. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un problème de violence, je pense, peut-être. Quelque chose comme ça. C'est fermé. Fermé. C'est ouvert. Attendez, mais on est où là? On est dans une prison ou quoi là? D'accord. Bien, on va allumer. Ça tape. Ça. Fermé. Je vous avouerai que je suis quand même un petit peu stressé. Ok, évidemment la porte est fermée. Ça tape à... Ça veut dire que ça tape... Putain, putain. Ça veut dire que ça tape aux fenêtres. Ah, si, c'est bon. Je te vois. C'est elle, ma fille? Chloé, c'est... Ouais. Ok, qu'est-ce que tu me montres? Chloé, tu vas me larguer encore une fois, pas vrai, sale égoïste? Non, 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 pas du tout. Je suis venu pour toi, Chloé. Chloé, je reviens.
Non? Ok. Bon. Je suis sûr que l'une des deux portes est ouverte maintenant. Eh bah oui. Je vais juste vérifier de. Je vais vérifier si celle-ci est bien. Ouais, elle est fermée. Ok. Là, j'ai pas le choix. Je vais aller là-bas. Une porte? Ok, en fait, on a fait le tour, d'accord. Tiens, quoi? Ok, ça va. Je frissonne, mais vous voyez le tableau qui tombe là, ça m'a pas spécialement impressionné. C'est peut-être le fait qu'il y ait toutes les lumières allumées, ça me rassure un petit peu. Non. Non. Attendez, faut. Quoi? Ah oui, ok, il faut pousser. Faut tirer, pardon. Oh non. Oh non, c'est horrible. C'est horrible. Regardez le tableau. Il était pas comme ça tout à l'heure. Ça y est, je frissonne. Ça y est, je frissonne. J'ai peur. Je suis sûr, je vais ramasser. Je vais prendre le feu là et je vais me retourner et il y a un truc qui va me choper. Je m'accroche. Je m'accroche. Ok, non, c'est bon. Ok, non, c'est horrible, regardez-moi ça. Alors, sauf erreur de ma part, il me semble pas que le tableau était comme ça tout à l'heure. En plus, il y a plus de musique, il y a juste. Ouais, il y a juste le bruit du feu de cheminée. C'est très, très, très pesant. Je me chie dessus. Je pense que ça va être le titre de la vidéo, je me chie dessus. Ok, d'accord. Ah ouais, ok. En fait, tous les tableaux ont changé. Il n'y avait pas ça tout à l'heure. On dirait un monstre, quoi, une sorcière, une connerie comme ça, là. Non mais voilà, j'aimais pas déjà les tableaux à la base, mais là. Oh purée. Oh purée. J'ai trop peur. Je me chie dessus, là. Ok. Yeah. Fermé. Alors, désolé, hein, il y a peut-être certains passages où je vais pas forcément parler beaucoup parce que je reste quand même assez concentré, un petit peu, je vais le dire, sur mes gardes. Comment concentrer? Une poupée russe diabolique, hein, ça se voit un petit peu au visage. D'accord, ok. En fait, apparemment, je pense pas me tromper en vous disant ça, mais il y a très certainement des objets à récupérer, des sortes de collectables. Donc ça, je sais pas si c'est spécialement nécessaire de tous les récupérer. Mais bon, on va dire que c'est un petit plus histoire de rallonger la durée de vie du titre. Ok, donc là, encore un enfant disparu. Donc, tout va bien. On est sur le thème, hein, du jeu d'horreur, donc oui. Ah ouais, mais c'est pas mal en fait, on peut prendre quasiment. On peut récupérer pas mal d'objets. Ah, il y a un cadenas ici. Pas fait gaffe. Ok. On y reviendra très certainement. Ici, c'est fermé. Ok, donc là, il y a des traces de pas, de mains ensanglantées. Donc, tout à fait normal, encore une fois, pour un jeu d'horreur. Qui nous indique très clairement le chemin à suivre. Donc ça monte à l'étage. Et je vais fermer parce que voilà, je me sens un peu plus rassuré, la porte fermée.
ça frappe encore là. Ça vient de là, là. Oh putain! Putain le con! Putain saloperie, saloperie. Putain de piaf de merde là, putain mais oh! Mais c'était... Ouais. Je veux dire, c'était le piaf là qui frappait à la fenêtre, hein, non? Ok. Quoi ça? Méthadone. Dissous le comprimé, laissez le comprimé. Ok. Bonne. Boire immédiatement. C'est quoi, méthadone? Et un médicament. Fermé. Ah, oh, j'aime pas les miroirs. J'aime pas les miroirs. En tout cas, dans les jeux d'horreur, vous voyez, je sais pas si je vous l'ai dit, il me semble que oui, mais le miroir reflète ce qu'il y a derrière, et du coup. Ok, c'est fermé. En fait, il y a pas mal de choses bloquées. Hein. Je m'allume. Putain, j'ai cru voir des trucs. C'est ça, dans ce style de jeu, je sais pas si ça vous arrive, n'hésitez pas à me le dire, mais quand vous êtes stressé, quand vous êtes angoissé, des fois, vous voyez des choses, mais en fait, y a rien. C'est vous qui, juste, votre imagination. Qui vous fait voir des choses, qui vous fait croire des choses. Enfant disparu, garçon de 9 ans. Ok. Alors déjà, c'est pas très normal que dans notre maison, on ait non seulement un journal, plus un avis de recherche. Puis c'est quoi ces petits bruits stressants? Les couloirs, les longs couloirs. Non? Non mais je veux pas. Sérieux, je vais. Je pense que la. Putain. Les prochaines fois que je fais des jeux de ce style. Ah, c'est le jeu qui. C'est le jeu qui décide, c'est lui qui ferme la porte, quoi. Parce que je l'avais fermée, la porte s'est réouverte et s'est refermée. Ok. Oui, je disais, je pense que je vais acheter des couches pour adultes, hein, parce que là, je peux pas, moi. Là, je vais. On va regarder. Journal de Chloé. Cette nuit, j'ai rêvé que je m'amusais avec cette merde spirituelle que j'ai trouvée. Ce n'était pas vraiment un rêve, mais comme si j'étais en train de revivre un souvenir. La porte effrayante est apparue devant moi. Elle avait une tête de chèvre, ce qui m'a vraiment effrayé. Les enfants disparus que j'ai vus dans le journal attendaient juste à l'extérieur, près de la porte, et je criais: Arrêtez de frapper à la porte. Deux bruits forts ont résonné et je me suis réveillé avec des sueurs froides. Je sais que c'était juste un rêve et que Baba Yaga n'existe pas, mais c'était tellement réel. Baba Yaga, tiens, c'est un. Alors, je suis pas un expert dans les histoires d'horreur, mais il me semble que c'est une légende. Une légende urbaine ou. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un film comme ça qui porte le même nom. Je sais pas si je l'ai vu, ça me dit quelque chose. Il me semble que oui. J'étais une toxicomane, je déteste ce mot, mais c'est la vérité. Quand la situation est devenue incontrôlable, j'ai pensé qu'il serait plus sûr d'être avec quelqu'un qui peut prendre soin de toi. Je tentais de te récupérer avant, vraiment, mais on ne me laissait pas faire. Il me disait que je n'étais pas prête, mais je le suis maintenant. Je t'aime, Chloé. Ok. Ok, alors ça y est, tout s'explique. Je pense que Jessica, donc le personnage que l'on incarne, est la mère de Chloé, donc ça vous l'avez deviné, mais qu'elle nous a été retirée parce qu'on avait des soucis d'ordre. De drogue, quoi. Enfin, tout simplement, on était des un drogué et on n'était certainement pas en mesure d'élever une enfant. Jess et Chloé. Donc, ça, c'est la photo de la fille et de la mère, quoi. Et comme par hasard, hein, le côté où il y a la mère, et eh ben, pardon, je me trompe de touche, c'est déchiré. Ah, bah, tiens, une autre poupée russe. Se passe. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Y a-t-il quelqu'un d'autre?
Donc Chloé, apparemment, elle est dans cette maison. On a... J'ai cru la voir. Oh putain. Attends, elle est partie à gauche? Un mur là, non? Ah putain, 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 putain. Ok. Traverse les murs la nana là. Donc clairement, clairement, on n'est pas seul. On n'est pas seul dans cette maison. Journal de Jess. J'aimerais que Ben soit là, ce n'est plus pareil sans lui. Il a été mon point de repère durant ce temps et en me soutenant tellement avec l'affaire de garde de Chloé. Il avait raison en disant qu'on ne pouvait pas changer le passé et ce qui compte, c'est que j'essaie de faire de mon mieux maintenant. La chose la plus effrayante quand on a un enfant, ce n'est pas la douleur ni les nuits blanches, c'est l'amour. Et personne ne vous prépare à ça. J'ai aimé Chloé quand elle est née, quand j'étais dopé, quand je l'ai abandonnée, même si des milliers de kilomètres nous séparaient, et je l'aime toujours. Elle est à moi et je ne laisserai personne me l'enlever à nouveau. Ok, c'est très joli, c'est la rédemption d'une mère pour... voilà, elle se rend compte qu'elle a fait une connerie et puis... Alors c'est peut-être un peu tard et en même temps c'est compréhensible. Chloé ne veut certainement pas la pardonner. Elle s'est... je sais pas, elle s'est shootée, la maman, là, mais... Non, non, c'est moi qui décide, voilà, je ferme la porte. On va aller voir là-bas avant de descendre, voilà, super. Super, hein? Alors je sais pas comment ça s'appelle, il me semble que c'est un... Un pentagramme, je crois. Je dis peut-être une bêtise, mais enfin, c'est un mot qui ressemble vachement. C'est un. Ouais, c'est un signe satanique, quoi. C'est. Pour faire des. Bah, il me semble. Après, je suis pas un expert là-dessus, mais. Généralement, il me semble que c'est pour faire des sortes d'incantations. Et c'est. Et c'est pas très bien. Sincèrement, je sais pas où on est, mais. Oh, mais on peut pas sauter. Non, attendez, on va juste récupérer ça. Ça, ouais, ok. Alors, c'est qui ça? C'est Chloé. Qu'est-ce qui est écrit? Lauréat du prix Saphir 2016 pour les progrès accomplis dans le domaine de la culture. Arrière, l'eau du puits pour nettoyer les âmes innocentes qu'elle dévore. Ok. Ok, donc ça c'est. Ouais, je vais juste relire. Jessica, ouais. Donc ça c'est nous. Ok, ça c'est. On est incarné, on incarne ce personnage. Tu peux le lâcher. Alors apparemment, elle a reçu un prix pour la culture. Je pense que c'est une erreur de traduction. Je pense que c'est plus pour la sculpture, puisqu'on voit pas mal de dessins. Je pense que ouais, je pense, enfin, je me trompe peut-être, hein, mais il y a plein de croquis, il y a plein de dessins, donc c'est quoi ça? Je sens que là, il y a une des, je sens un truc chelou là. Vous voyez le machin, une statue qui va m'attaquer. Toi, t'es pas net. Journal de Jess. C'était dur ces jours-ci. Chloé me déteste et je ne lui en veux pas. J'essaie de me rattacher auprès d'elle en essayant de lui faire voir que je ne suis plus cette personne, celle qui était incapable de veiller sur elle il y a des années. Les laissant l'emporter loin de moi était la décision la plus difficile que j'ai pu faire, mais c'était la bonne. J'avais besoin d'aide. Parfois, même maintenant, quand je ne peux pas dormir, j'ai besoin d'aide. Dieu merci, j'ai mon travail pour me distraire. Cette nuit, j'ai passé des heures dans le studio à travailler sur ma dernière sculpture. Je ne suis pas toujours vraiment satisfaite du résultat, mais je suis sur la bonne voie. Je souhaite juste pouvoir dire la même chose de ma relation avec Chloé. Ok. Ok. Donc, notre personnage, je pense, s'est séparé délibérément de sa fille, parce qu'elle devait savoir qu'elle avait des soucis de drogue, tout simplement.
Ok, il y a une. Ok, donc. Récupérer la coupe. On se calme là, oui. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas tout là. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, c'est un bug ou? Non, d'accord, ok. Je crois que ah bah pour le coup ça me rappelle le cinquième élément. Donc là on a l'eau, il me semble. Donc on va devoir continuer l'aventure pour débloquer, je pense, les différents artefacts et ils vont apparaître très certainement ici. Donc on a l'eau, le feu, je ne sais pas c'est quoi, le vent peut-être. Ça ressemble vachement au vent. Et ça, je ne sais pas non plus ce que c'est. Bon, bah écoutez, on va se quitter là. Je vais très certainement faire une deuxième partie. Parce que mine de rien, ce jeu est assez intéressant. Rien que sur le point de vue scénaristique, j'ai envie de savoir ce qui se passe. J'ai envie de savoir si Jessica va retrouver Chloé. Parce que derrière cette histoire, on a quand même une histoire d'amour entre une mère et une fille. Et au milieu, on a ce qui semble être une sorcière, un démon. Qui est là et qui va très certainement nous empêcher de nous retrouver. Et c'est ça qui est quand même intéressant. Outre le fait que le jeu fait quand même peur, hein. On n'est clairement pas dans une situation où on a l'avantage. On va continuer encore un petit peu, encore un petit chouïa. Putain. Ce téléphone. Chloé, pourquoi tu me fais ça? Meurs. Vous voyez que ma fille, elle m'adore, là. Elle est complètement éprise de mon amour. Putain! Oh putain! Il se passe rien en plus. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je vais pas franchir cette porte. Je vous laisse languir devant cette porte. On se retrouvera très certainement la semaine prochaine pour la suite. En attendant, rassurez-vous, il y aura toujours des vidéos découvertes sur d'autres jeux. Mais on va peut-être faire. Ouais, non, c'est même sûr. On va faire une deuxième vidéo là-dessus. Peut-être que ce sera la dernière. Peut-être qu'il y en aura trois. Peut-être qu'il y en aura quatre. Tout dépendra du nombre de vues. En tout cas, c'est sûr, il y aura une deuxième vidéo et il y aura bien entendu sur la chaîne toujours d'autres vidéos découvertes. J'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu. En attendant, eh bien, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.